Olé. Salut les Wargolfeurs, donc de nouveau en compagnie de Flo sur le trou numéro 18 du golf de Margaux. Oui. Aujourd'hui, un joli petit défi, puisque Flo a quelque chose à nous expliquer. Ouais, alors Chris avec moi, j'ai une feuille sur laquelle est inscrit tous les clubs du sac de golf. On va déchirer les petits papiers, on va tirer au sort. On s'est tout simplement inspiré de ce qu'ils ont fait sur le circuit européen. Donc on va le faire le trou numéro 18, comme tu as dit, du golf de Margaux. À chaque fois, en tirant au sort un club au hasard, donc il y en a qui vont avoir plus ou moins de réussite. Trou numéro 18 par 5 d'à peu près 450 mètres avec au premier coup. Bah on verra. Non. Qu'est-ce qu'il y a sur le, comme obstacle sur le trou? Au premier coup il y a. Ah bah du rough, puis le fairway, puis des arbres. Et puis de l'eau. Et puis de l'eau. Et puis au deuxième coup. De l'eau. Et puis au troisième coup. De l'eau. Voilà. En gros, trou très compliqué. Donc on va tirer au sort, je vais déchirer les petits papiers. Tu veux commencer? Allez. C'est parti. Une casquette pour mettre les papiers. Du talent pour bien découper. Alors, attends, il faut enlever le putter. Pourquoi? Tu veux driver avec le putter? Ouais, on a un putter dégueu, on va prendre le putter dégueu. Je vais pas taper avec mon putter, hein. Mon putter Scotty, certainement pas. Mais... Ça fait mal, plié. Dans la casquette. Attends, je les replie parce que sinon on voit ce qui est marqué dessus. Je mélange. Driver. Oh, fer 3. Allez. Fer 3, ça commence bien pour lui. Yes. Tu le sens dans les mains? Ouais. Fais voir tes mains. Ça veut dire qu'il est pas fermé. Pile où je voulais. Nickel. Miguel. Je ne regarde pas. Oh, faire 6. Faire 6. Ça va. Il y a pire. C'est clair. Bon, je vais essayer de jouer en balle basse en hook pour qu'elle puisse quand même un peu de distance. Ah bah c'est tes doigts. Ouais. Pareil que toi là. Mais bon, je suis sur le fairway. Je suis content. Chris, tu m'as pris 10 mètres avec ton fer 3, il t'a pas très bien contacté. Vas-y. Non, pas celui-là. Pourquoi pas celui-là? Parce que je fallait pas prendre celui-là. L'homme non. Et j'ai l'obstacle au dos en plus. Alors soit j'essaie d'un topon par-dessus l'eau, soit je la joue à gauche. Chris, ce qui se passe, c'est que pour passer l'eau là, j'ai 115 mètres. Ce que je vais faire, c'est que je vais viser le trou d'à côté pour ensuite repasser par-dessus l'eau. Je sais pas si c'est la bonne stratégie, je pense que ça va plus me rapprocher que si je joue à gauche. Peut-être pas, j'en sais rien. Bon bref, par là-bas. Vol. Non, c'est bon, elle est parfaite. Elle se rapproche du bunker. Ah, je peux difficilement faire mieux, c'est chaud patate là. Allez, à toi. Pas le lob wedge. J'aime pas la couleur c'est que ça trop prend. Faire 9. Faire 9. Ouais, c'est quand même mieux que moi, hein. Oh, t'as un avantage là. Ouais, c'est la canne. Toujours la petite routine. Prendre un repère devant la balle. Allez, taf. Oh, ramasse tes doigts. Très bon contact. Allez, à cela. Allez bien, non? Allez, très bien. Là, la balle est dans le rough et j'ai 140 mètres pour le drapeau avec de l'eau à passer. Donc, c'était une stratégie comme une autre. On va voir si elle va fonctionner. Il me faudrait à peu près faire 8. Ça serait pas mal. Et j'ai. Et tu as. Et j'ai. Et tu as. Un fer 5. Bon, ça va. Ça va. Au moins, je vais passer l'eau avec, c'est sûr. Ouais, je vais comme ça. Tranquille, face ouverte. Pied gauche. Allez. C'est propre. Avance un peu quand même. Oh là là. Ah, elle est courte. Le petit green. Elle est sur le green, c'est déjà pas mal. C'est très propre. Ça va. Chris, il te reste à peu près 90 mètres, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme club? Tous les petits. Donc lob wedge, sand wedge, dans ces eaux-là. Pas le putter, c'est tout. J'espère que ce sera putter ou driver, rien que pour toi. Oh, faire 8 yes. Faire 8, ah ouais, c'est pas mal. Franchement, on a été plutôt chanceux. Ça va. Allez, faire 8, c'est parti. Bon, faut quand même rappeler que je suis sur le green, bien positionné, et que la pression est désormais sur les épaules de Chris. Oh là 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 là, reste là. Oh, et kick à gauche. Avant green, rien n'est joué. À hauteur de drapeau. Chip putt. Donc, un petit chip avec 15 mètres de green et juste 1 mètre d'avant green, t'es pas si mal, Chris. Voici la petite casquette. Allez. Faire 9. Faire 9, mais c'est parfait. Carrément. Vas-y, mais c'est pas possible, il chip tous les bons clubs. Je vais faire un birdie quoi. C'est pas donné. Ouais, je sais, mais je les rentre tout le temps ceux-là. Donc j'espère que ça va être le putter là pour le coup.
Lob wedge encore, bon ça va. C'est plus facile de putter avec un lob wedge qu'avec un drive. Mais il n'y a que 5 papiers ou C'est ça. Regarde ça quoi. Bon, franchement c'est la classe avec un fer 5 de faire un pitch pareil. J'avoue. Avance, avance. Oh, elle est courte. Oh, oh purée. Enfin, fer 7. Alors la question c'est est-ce que je la chip ou est-ce que je la putte? Sur la pointe quoi. Bon, on va dire que c'est donné, hein, quel oui, que soit le club. Sûr, hein. Ça fait boguer, malheureusement. Tu l'as. Faire 6. Bon, mais... bon, bah écoute, c'est quasiment pas rien. On a joué que des fers. C'est ça. Peut-être pour la victoire. La question c'est est-ce que ça va faire 6? Belle blague, allez, concentre-toi là. Au lieu de faire le Mario là. Bravo, magnifique. Magnifique. Bien joué. Merci. J'ai fait trop de pêche. J'en ai marre. Donc 1000 points pour Chris, pour ce défi, bravo Chris. Ouais, et en plus je change de casquette. C'est vrai? Et ouais, je passe à la rouge. Casquette rouge? Yes papa. Bravo. On se voit la semaine prochaine. C'est ça. Salut. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à tenter le même défi chez vous et à nous décrire en commentaire comment cela s'est passé. On vous invite à vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et être alerté de toutes nos nouvelles vidéos. On se dit... à très vite.